Eh ben, je te vois tout triste là. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi comme ça, merveille. Tu ne peux pas comprendre. Comment ça, elle ne peut pas comprendre? Vas-y, explique-moi. Ici, je peux t'aider, je le ferai. Ok. Ça fait bientôt 3 ans que ma maman souffre d'une maladie incurable. Ah bon? De quelle maladie s'agit-il exactement? Tu ne sais quoi te dire, gars. Ma famille et moi avons déjà parcouru tous les hôpitaux pour rechercher sa guérison, mais rien. Après les multiples examens, tous ces hôpitaux n'ont pas été capables de nous dire de quoi elle souffre. Nous avons là dépensé tout notre argent au point où nous sommes endettés. Ne pleure pas, gars, mais j'ai la solution pour ton problème. Comment ça? Vous avez fait tous les hôpitaux, mais vous n'avez pas encore fait l'hôpital du Seigneur Jésus-Christ. Si vous y allez, c'est la guérison assurée pour ta maman et tous vos problèmes. Le Seigneur Jésus-Christ est la solution pour vos problèmes. C'est pas les conneries que tu me racontes, la gars. Non, pas du tout. Jésus-Christ agit au travers des hommes qui se sont disposés à son service. Et dans Marc 16, 17, 18, il écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Eh oui, si on impose les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ à ta maman, elle se relèvera certainement. Et comment faire pour qu'on prie pour ma maman? C'est très simple, gars. Le révérend pasteur Samuel Baoya a institué un programme de prière tous les dimanches soir à partir de 17h30 dans ses églises. Va ce dimanche avec ta maman et je te rassure que si elle a un tout petit peu de foi, elle sera guérie. La prière là est gratuite. C'est totalement gratuit, gars. Où sont situées les églises là? Il est situé à Douala, à PK8, au campus B, ESG, à Yaoundé, à Biémassé, à la Maison Blanche, à l'entrée du Général, à Edeya, en face de la maison du parti. Merci beaucoup, gars. Ce dimanche même, je vais aller avec ma maman. Et si elle est guérie, comme tu dis, je vais désormais croire en ce Jésus. Pas de souci, Ben. Si tu veux, ce dimanche, je viens te chercher pour qu'on y aille ensemble. Toi-même, tu verras ce que Jésus est capable de faire. Yes, gars, pas de problème. Je t'attends alors cette image.